Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Et aujourd'hui, c'est le signe du Sagittaire. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Petit rappel avant de commencer, le pouvoir des archanges. Les archanges sont des anges supérieurs placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole, n'est-ce pas, de leur caractère divin. Leur nom varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra. Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment, mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés. Quel chemin emprunter et quel but poursuivre? Les 12 archanges et le signe auquel ils appartiennent, et pour le Sagittaire, c'est l'archange Raguël, l'ami de Dieu. L'archange Raguël est associé au signe du Sagittaire et son rôle consiste à amener paix et harmonie autour de nous. Si vous faites face à des problèmes de communication ou à des désaccords au sein de vos relations, vous pouvez demander à l'archange Raguël de vous accompagner dans le règlement de ce type de problème. Au ciel, ce bel archange, son rôle principal consiste à superviser tous les autres archanges et anges. Ils veillent à ce qu'ils travaillent ensemble de façon harmonieuse et ordonnée, conformément à l'ordre divin et à la volonté du Créateur. C'est pourquoi on l'appelle souvent l'archange de la justice et de l'équité. Ce bel archange, Raguël, aime se faire le champion des défavorisés et il peut aider les personnes qui se sentent blessées ou maltraitées à reprendre possession de leur pouvoir et à obtenir le respect. Enthousiaste et amical, l'archange Raguël est une véritable batterie en ce sens qu'il est capable de vous insuffler de l'énergie chaque fois que vous avez besoin d'un remontant. Imaginez un meilleur ami qui serait à la fois avocat, conseiller spirituel, thérapeute et motivateur et vous aurez une bonne idée des multiples talents de ce bel archange et de l'aide qu'il est en mesure de vous apporter. Raguël est un gentleman plein de compassion qui ne fera jamais obstacle à votre libre arbitre. Aide à porter résolution des disputes, collaboration et harmonie dans les groupes et au sein d'une famille, défense des personnes injustement traitées,
reprise en charge de soi, en particulier les personnes défavorisées, n'est-ce pas? Médiation des disputes. Ce bel archange possède un formidable talent pour résoudre des conflits. Si vous avez eu une dispute avec quelqu'un et que vous désirez en arriver à une résolution, eh bien, faites appel à ce bel archange Raguël. Demandez-lui d'intervenir. Raguël est l'archange de l'équité, de la justice, de l'ordre et de l'harmonie. Il peut vous apporter son aide dans tous ces domaines. Raguël peut vous aider à améliorer vos relations. Lorsque vous avez des différends avec une personne, n'hésitez pas à le prier. Il vous aidera à pardonner, à lâcher prise, à écouter le point de vue de l'autre. Si vous êtes dans un processus de séparation avec quelqu'un, il vous accompagnera pour que tout puisse se dérouler de manière paisible et équitable. Si vous êtes timide et solitaire, vous pouvez l'invoquer pour qu'il attire à vous de véritables amis. Cet archange est précieux pour les enfants aussi, qui parfois se sentent un peu bousculés par certains élèves et parfois même harcelés. Demandez à ce bel archange Raguël de veiller sur les relations de votre enfant pour que celles-ci soient amicales et harmonieuses. Et vous constaterez de belles transformations. Dans les affaires de justice qui vous opposent à des tiers, eh bien cet archange sera aussi un grand soutien pour que le jugement soit équitable pour toutes les parties. Les relations humaines ne sont pas toujours faciles, n'est-ce pas? Elles nécessitent parfois du temps pour se construire et pour s'épanouir. Parfois, les choses peuvent tourner mal, même si elles partent au départ d'une bonne intention. Tout peut basculer vers de lourdes conséquences qui peuvent créer une rupture ou un éloignement d'une personne qui vous est pourtant chère. Lorsqu'une personne traite injustement une autre personne, elle lui refuse son droit à un traitement juste. Si une personne se sert de l'identité d'une autre personne, elle lui vole son droit à la vie. Chaque humain mérite le respect qui lui revient de droit, en apprenant à tirer le meilleur de chacun. Ton essence spirituelle diffusera une aura de couleur harmonieuse. Reste toi-même et ne donne pas de faux espoirs aux autres. Conserve tes valeurs et ta personnalité, c'est un don précieux de ta propre nature. Fais ce qu'il faut en décidant d'agir et en adoptant un état d'esprit positif à chaque tâche de ton existence. Fais les choses avec le cœur et dans la compassion. Tant que tu réponds aux attentes des autres, tu n'écoutes pas ton âme et tu t'éloignes du but de toi-même. Il est important, n'est-ce pas, de te sentir bien dans ta peau pour vivre en harmonie avec le monde. Alors la pierre qui lui est attribuée est l'aigle marine. Prière à ce bel archange Raguël. Merci, archange Raguël, de guérir ma relation avec, et vous citez le nom de la personne. Et de nous aider à lâcher prise, à pardonner et à avoir de la compassion pour le point de vue de l'autre. Efface tous les malentendus, apporte-moi l'harmonie ou de pouvoir gentiment mettre un terme à cette relation si nécessaire. Oh, s'il te plaît, archange Raguël, guéris toutes mes relations qui ont besoin de rétablissement et renforce celles qui sont importantes à mes yeux. Merci, archange Raguël, de m'aider à voir que tout est exactement comme cela devrait l'être.
de m'aider à voir au-delà des illusions, de l'ego, et à voir l'équilibre de l'ordre divin selon toute chose. Merci de m'aider et de m'assister à harmoniser toutes mes relations, qu'elles soient équitables et respectueuses. Merci de me guider à être un bon ami ou une bonne amie pour moi-même et pour les autres. Merci avec toute ma gratitude. Faites une prière pour le remercier. Je vous remercie de votre écoute.